Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus petit pote, c'est pas cool. Nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour faire un petit tuto avant que la vidéo commence, les gars. Quand je fais ce genre de vidéo, 98% des gens qui me regardent sont pas abonnés. Genre, la dernière vidéo que j'ai faite, la version 1, il y avait genre un truc comme 99% des gens qui sont pas abonnés. Donc, vraiment, tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit commentaire pour que je refasse soit un autre épisode, soit me dire un deck que vous voulez que je vous présente. Et mettre vraiment un pouce bleu pour le référencement, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui, moi, ce jeu, le 2.6, je vais vous apprendre à bien le jouer. On va monter à 6 000 trophées, donc c'est une vidéo plutôt assez longue. Donc c'est parti, dans la première game contre Machette. Allez. Bon, on commence déjà, en général, quand on donne main comme ça avec le cochon, on attend d'avoir 10, on met le petit cochon déjà pour commencer. On attend de voir ce qu'il joue, et là, je vais aller boule de feu de la sorcière. C'est vrai qu'il pose pas mal de problèmes. Donc là on attend. On est pas obligé de la bûche. Et là on met des petits squelettes ici. Hop. J'ai carrément raté mes squelettes, c'est pas grave. Hop. Voilà, on a déjà pris l'avance, sachant qu'on est niveau 13 et lui niveau 14. Donc de base on est en retard. Là j'ai juste. Ok. Hop. Le gun de glace important ici pour tanker le sorcier. Et on peut s'aider contre-push avec le. Avec le cochon, hop, comme ceci. Ok, là, c'est tab. Bon, allez, à prendre 3 coups de cochon. Même peut-être 4 si j'ai de la chance. Ok. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va le kite. On va kite la Valkyrie, hop, comme ceci. Voilà, donc là, on essaie de défendre au moins cher. Toujours, c'est ultra important. Bon, là, boucle de feu, hein, on se pose pas de questions. On essaie pas de défendre avec squelette mousquetaire. Boucle de feu, c'est plus radical, c'est mieux. Ok, bon. Là, on attend un petit peu. Sans rien se précipiter, on peut essayer un peu tempo. On met le petit skull fond map et dès qu'on peut, on part cochon. Excusez-moi pour un petit, je vais enlever. Ok, mais une sorcière, on va les bûches alors. Ok, on va s'en mettre un cochon devant, voilà, c'est prévisible. Donc là, je mets une mousquetaire parce qu'il y a une sorcière derrière. Là, on met de la petite esprit de glace ici. Parfait, c'est bon, ça me va, on va prendre un petit coup, rien de trop dramatique. Alors là, on sait qu'il a une horde, donc on peut aller pré-shot boule de feu. Ouais, ou une table, ouais, on a pris les deux, parfait. Enfin, on a pré-shot les deux, ça me va très bien. Hop. Et là, vous voyez qu'on a une grosse avance. Hein. Là, on a 2000 points d'avance. C'est vraiment pas mal. Ok, là, on va mettre de la petite bûche. Hop. Le petit canon pour le cochon. Il n'y a pas une cochon, tant pis, c'est pas grave. On va essayer du coup de protéger mon canon pour qu'il reste plus longtemps en vie. Ok, on va mettre un petit cochon posé pour pas qu'il push. C'est important de mettre une double pression. Voilà, il y a quelqu'un qui lui met sa horde. Ça me va. Ok, là on va les bûches, là on va les mettre mousquetaire plus esprit de glace, ça défend très bien la horde. Et là on a le deuxième canon, on met les squelettes évidemment. Et normalement c'est carrément défendu. Et là on peut la mettre le cochon avec une boule de feu sur le côté puisque c'est qu'il y avait sa table. Ok, il a bien joué, il a mis une belle table. Mais c'est pas grave, dans tous les cas on a mis les dégâts de la boule de feu. Et bûche, boule de feu, il me semble que ça finit. Boule de feu ça fait 207 il me semble. Ah ça finit absolument pas, du coup faut recycler une bûche. Ok. Ah non, c'est fini, c'est 174. Ah, moi j'avais dégagné niveau 11, je suis con. C'est niveau 11 sur 7, je suis carrément con. Bon, tranquille. Bon, du coup, voilà, première win. On a très très bien joué la game, c'était pas forcément évident. Ça, c'est un deck qui peut poser problème, hein, avec une horde et tout, des cartes assez chiantes. Donc, on part directement. On a deux amis contre Ribin 412. Ok. Allez, là on n'a pas de bonne main de départ, donc je vais cycler la bûche d'abord. Hop. La bûche c'est pas grave sur la cycle. Hein. Ok, là on va aller mettre le golem de glace, ok. La fournaise en général ou la boule de feu direct, c'est... Est-ce que c'est possible à mon canon? Bon, j'ai canon de la scarte, sinon c'est pas drôle. Du coup, on va assumer quelques coups de cochon. S'il te plaît, que un. Alors, pour un deux coups de cochon, ça fait mal. Tant pis.
C'est comme ça. Donc là, un peu double push. Hein. Là, on a le gun de glace. On va essayer de double push. Est-ce que j'ai le temps? Non, j'ai pas le temps, dommage. Ah, c'est relou ça du coup. Oh le con. Bah, du coup, il m'a donné une value là, nickel. Ok, la F1 c'est qu'une artiste, ça c'est cool parce qu'on va pouvoir activer la tour du roi avec ce placement. Oh, j'ai carrément raté le placement. Ok, on va essayer une deuxième fois. Cette fois, je l'ai réussi. Voilà, nickel. Cette fois, c'est la bonne. Ok, on va mettre une mousquetaire ici pour prendre les dégâts. On a quand même pris les dégâts, ça c'est qui fait plaisir. Ok, on va mettre le petit gun de glace ici pour éviter les dégâts de l'esprit. Nickel, c'est exactement ce que je voulais. Le mousquetaire prenait les dégâts. Hein. Ok, là on met de la bûche pour tuer la fournaise et tuer l'esprit derrière qui vient. Ok. On met les squelettes. Alors pourquoi j'aime bien les squelettes à bas niveau? Parce qu'à bas niveau, ils aiment bien rajouter quelque chose derrière, genre quelque chose. Du coup, bah, je préfère mettre les squelettes au cas où ils rajoutent quelque chose. On n'est pas obligé de les mettre par contre. Ok, on va sauter un petit cochon. Il avait une arme squelette, hein. On n'a pas les bûches malheureusement. Il y a un bûcheron, très bien. Un bûcheron artiste, très très bien. On va aller kite le bûcheron. Et on va aller. Ok, l'artiste qui suit, c'est parfait. Hop, voilà, on a la bûche. Hop. Ok, bon, j'ai mis les squelettes avant, c'est pas grave. Là, on peut direct. Ouais, voilà. Direct cochon. Là, l'esprit peut prendre 0 coup. C'est pas mal. On rattrape le dommage qu'on avait pris au tout début avec le placement éclaté sa grand-mère de canon. Il y a pas de la petite moumou ici. Hop. Pour aller aider un petit peu, justement. Et là, je vais mettre une bûche par contre. Et là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met le gun de glace là. On met le cochon derrière pour que le regarder. Le cochon reste bien derrière le golem de glace. Comme ça, quand il explose, voilà, ça tue l'arme squelette. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Ok, là, je pense qu'on va juste boucle de feu. Il y a beaucoup de monde. Voilà, on va pas s'embêter. Golem de glace pour protéger. Là, on met le petit canon. Et c'est une défense clean, hein. C'est une défense très clean. Et là, on peut les contre-push avec le cochon. Hop, parfait. Là, on peut les pré-shot bûche, évidemment, l'arme squelette. Il a pas mis, c'est pas grave. Ok, ça c'est chiant. Hop, nickel. Bon, voilà, la mousquetaire qui va faire son taf. Là, on a le canon. On va mettre les squelettes là, par contre, pour tanker le chocheux. Ok, il met des flèches, ça sert strictement à rien. Et là, il n'a absolument plus de... comment ça s'appelle? L'arme squelette. Donc, voilà la boule de feu pour tuer l'arty. Et on va sûrement aller prendre cette win. Et non, il nous reste une boule de feu à cycler. Bon, là, on se bouge de la cycler, hein. Là, c'est... Là, on a avec ce x2 de penser ça cycle très vite. Donc, on peut se permettre de tout balancer dans le vide. Et aller prendre sa deuxième victoire contre Ruby. Riban. Parfait. Juste pour l'instant, tout se passe à la perfection. On part directement dans cette troisième game. Nous sommes à une game de 5900. Allez, c'est parti contre Karl. Ok. Bon, on va mettre un petit cochon tranquillement. Ok, il joue bomber, très très bien. Ok, niveau 13 aussi. On va aller activer la tour du roi maintenant. Hop. Ok, alors regardez, observez bien le placement de comment on active la tour du roi. On met les squelettes là. Et j'ai carrément raté mon placement. Let's go. J'ai mis un cran entre gauche, puis c'est en gros là. Et tu mets l'esprit ici. Bon, j'ai évidemment raté mon placement parce que sinon c'est pas fun, mais Ah, mais quel boulet je peux. Il va remettre MKO, vous inquiétez pas. J'ai le temps de vous le remontrer. Ok, là, on voit les boules de feu. Là, on tue tout. Ok, ça c'est chiant. Dans tous les cas, là, je peux pas défendre, en tous les cas. Donc, bah écoutez, on va juste faire comme ça. Avec ça. Bon, bah, on va essayer d'éviter les dégâts à gauche, hein, du coup, ce qu'on va prendre, on va trahir la tour. C'est pas votre de la tour. Oh non, il y a une T2 en plus. Oh là là. Ok, bon, il a un ballon. Du coup, faut que je fasse gaffe. Ouais, le placement dans la tour du roi, mais dans la merde là. Voilà pourquoi de penser c'est dur à jouer. Parce que j'ai fait une erreur de rater le placement de la tour du roi. Et bah, j'ai tout simplement perdu la tour et. Ça m'a mis dans la merde. Parce que là, le trade il est pas ouf. De penser c'est même pas jouer en deux tours.
hop. Ok, un mec sur MK. Moi, du coup, c'est un activateur tour du roi parce qu'elle est déjà activée. Je vais mettre le canon. Et on va faire tourner le MK, regardez. Comme ça. Parfait. Bonne défense du MK. Ok, là, il a fait de la merde. Hop. Voilà, nous, on peut tout simplement remettre une pression. Ok, on va faire ça pour la tour du roi. Hop. Oh, dommage. J'ai carrément oublié qu'il y avait une T2, en fait. Bon. Du coup, je joue pas à mousquetaire. J'essaie d'éviter de jouer à mousquetaire pour le... Pour la... Comment ça s'appelle? Pour le balloon. Ok. Là, je vais aller boule de feu, ça. J'ai peur d'avoir raté ma boule de feu, hein. Ok, on met le gun de glace, là. Alors, là, il va falloir organiser ma défense, là. Déjà, on va aller bûcher ça. Ça. Non. Oh, la sauce. Oh, la sauce. Ok, ça en prend pas de coup. Ok, ça en a fait une bonne défense. Merde, c'est pas ça, carrément pas ça que je voulais faire. Ok, c'est pas. On va quand même gun de glace, il a raté sa T2. Il a pas du tout raté sa T2. Super chiant ça. Un petit coup s'il te plaît, cochon. Ok, rajoute en plus, un truc en plus. Ok, alors attendez, là la défense, ça va être la sauce. Déjà, on va faire tourner ça là. Ok, enfin, je pense que c'est gaffe à ma tour du roi maintenant. La logique qui fait ça. Parfait. On a fait une bonne défense. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le placement. Ok, ah oui, mais une T2, on a les squelettes ici. Ok. Hop, voilà, une bonne boule de feu, on va directement aller la mettre. Ok, là, il va falloir assumer la défense, mais comme un chef, là. Ours, cycle un cochon. Ah, mais il a une T2. On va quand même le mettre. Et je sais qu'il a une T2. Est-ce que tu vas la mettre là? Ça va être chaud de défendre, là. Double MK. C'est carrément la sauce là. Ça finit. Let's go. Oh la game de taré. Oh là 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 là. Oh, à la fin c'était la supra sauce. Le mec il a tout mis au pot. Oh là 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 là. Oh, à la fin, désolé les gars, j'ai pas trop trop parlé. On va pas se mytho que la game était assez tendax. Waouh. Waouh, quel game, waouh. Ouais, incroyable la game par contre, hein. Zéro van, incroyable la game, hein. Voilà, comment je dirais un cabalon. Bon, c'était la supra sauce. Mais on a réussi à défendre, donc ça, c'est sacrément cool. Et ça fait plaisir, hein. Allez, c'est parti contre Andalahar. Ok, nice. Donc canon Lascar, je suppose, ouais, sinon c'est pas drôle. Bon, nice. On a mis 19 délex pour défendre. Ok. Bon. On a mis combien là? On a mis 7 pour défendre, il a mis 7, donc c'est bon. Ok. Alors, ah mais, ok, d'accord, je vois le joueur. Bon voilà les gars, là on aura affronté à peu près tous les types de joueurs. On a affronté un mec avec deux bâtiments. Et un ballon, et un MK. Voilà, on va affronter un giga spammer. Et la première game, bon, elle était tranquille en vrai, contre un mec tranquille, on va dire avec une horde, hein, dès que pas forcément évident. Ouah, mais tu casses les couilles, toi. Absolument pas contre ce que t'es un meurtre, ouais. Allez, stop. Pas tous les jours facile, hein.
Ok, là je vais aller boule de feu direct, que ça le sorcier il meurt. Hop, nickel. Ok, là, elle va être compliquée cette game, parce que le genre de spammer comme ça, une erreur ça part très très vite. Hein. Un mini PK cochon rage et je rate un canon, c'est fini, hein. C'est finito. Ok, bon. Il y a sûrement un mini PK pour défendre, c'est exactement pour ça que je mets l'esprit de glace. Voilà, exactement pour ça que je mets l'esprit de glace. Dette de coups. Voilà, nickel, parfait. Ok, on va aller mettre la Momo, plus une Chebu. Ah, j'ai pas de chance. Ouah, c'est bon, calme-toi, gros. Ok, madame mousquetaire, ça sert à rien. Bon, là, je vais assumer les coups, là. J'ai pas trop le choix, de toute façon. Ouais, il zappe en plus. Ouah, quel forceur. Bon, là, on va éclairer en boule de feu, je vous le dis. On sait ce qu'il va faire. Hein. On sait qu'il va mettre son IPK. Voilà, exactement pour ça que je boule de feu, pour pouvoir mettre un coup, parce que sinon je n'étais pas le coup, c'était impossible de mettre ce coup. Ok, bon là on a le canon cette fois-ci. En plus c'est un scooter qui reste en vie, ça c'est pas mal ça. Dommage. Bah écoutez, on va les cochons et on va les bûches direct. Hop. Un petit coup. Voilà, papito. Là la défense va être compliquée quand même, mettre son cochon en plus. Ok, il n'est pas son cochon, tant mieux. Non, il va mettre deuxième coup, il met deuxième coup, quel troller. Heureusement qu'il a pas de sort. Hein. Bon, heureusement qu'il a pas de sort. Bon, là j'ai carrément fait de la merde, là j'avais quasiment dû prendre beaucoup moins de dégâts. Mais c'est pas grave, on a quand même gagné la game. Alors, ça, c'est cool. Ouais, il ne manque plus que 3 games pour monter à 6K, donc on va aller faire les 3 games. De toute façon, j'avais dit que ça allait être une vidéo longue de base, je savais que je devais faire 6K et que ça allait être long. Ok, c'est parti contre Nano. Hop. Ok, bon là on va cycler la bûche. Ok, petite bûche dans le vent, histoire de cycler. Ok, recherche boule de feu. Hop. Ok, GR, très bien. Squelette plus... Oula, Frère. Ouais, je sais pas ça. Ok, bon. On va regarder ma bûche plus mon canon. Ok. Très bien. Bon, du coup, on va attaquer opposé de lui. Ok, bon, je sais pas ce qu'il joue. Il va jouer un deck bizarre. Donc, faut faire gaffe. Ok, mini PK. Ok, géant, géant royal. Très bien. Je vais d'abord mettre les squelettes. J'ai carrément raté mon placement. Oh non. Voilà, géant, géant royal, je suis un gobelin, mini PK, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà, pas boule de feu là par contre. Ok, GR en plus, ok. Il force, hein. Il baisse le fuir gobelin ou pas? Non. Ok, bah je peux du coup... Saute. Ah, les squelettes. Ouais, voilà les squelettes. Parfait. Et si il baisse le fuir gobelin? Ouais, évidemment qu'il le met. Il n'y a pas de coup, hein. C'est bon. Ok, bon. Là, c'est bien, il va falloir jouer à la perfection parce qu'il a flèche, ouais, il a double, triple une condition. Et un peu. Ok, baby drag en plus. Ok, toi viens là. Ok, on va les boules de feu ça. Hop. Ok, le savait que j'allais mettre. Ok, c'est bien joué de sa part. Ok, on va les mettre quand même un coup, donc ça c'est pas mal. Ok, on a le canon, ça ça me va. Et là on a obligé de mettre la bûche, j'ai pas le choix. La bûche, sinon le mini PK il meurt pas. Le problème c'est qu'après c'est chiant def. Non, ok, ça va. J'ai carrément limité la casse. Et je peux aller. Est-ce que le cochon prend le focus? Ah, le cochon il prend le focus.
La défense va être compliquée ici, je vous le dis. Et je peux aller kite, ça, ça me va. J'ai carrément raté mon kite. Voilà, je peux carrément pas utiliser ma bûche là. Ok, je vais dire que je change pas le choix. L'énorme squelette aussi. Oh non, je viens de faire de la merde. Oh oh. Et j'ai ma boule de feu, ça va. Parce que là, je peux juste carrément plus prendre aucun dégât là. Je pense que vous l'aviez remarqué, mais. Je pense que là, si je prends un dégât, ça me coûte la game. Ok, bûche de feu, c'est terminé. Mes gars, ils sont pas faciles, hein. J'annonce, les gars, ils sont pas faciles, hein. Les gars, ils sont vraiment pas faciles, hein. Ok, bon, on a encore gagné Adrien. Et sachant qu'on part avec 300 HP de moins, 400 HP de moins que l'adversaire. Donc, très très grand désavantage. Ok, c'est parti contre Saroka. Allez. Ok, nickel. Cochon first play. J'ai évidemment rien pour défendre. Ok, parfait. La défense qui est clean. Là, je vais mettre le gun d'Eglise parce que. Au cas où il est l'arme squelette, là, j'ai envie de la mettre. Voilà. Bah voilà, j'avais carrément raison. Hop. Ok, un homme mou. Ah, attendez, cochon. Ok, fuyez gobelin. Oula, attendez. Ah, yes. Je vais prendre cher, là, attendez. Aïe. Aïe. Aïe, ça fait mal, hein. Ah ouais, j'ai pris 1600 de dommages, là. Aïe. Aïe, gros aïe, là. Gros aïe. Sur là, je sais qu'il a plus sa sur dans les squelettes, ce qu'il vient de la jouer. Oh là là. Oh, cette game va être compliquée, cadeau. Avec le retard que j'ai, cette game va être compliquée, je vous le dis. Ok, donc là, il vient de recycler son armée. Je vais mettre une mousquetaire fond de map. Ok, sorcière, on va aller boule de feu ça. Et là, regardez. Ça, c'est le coup de maître, les gars. Regardez. Ça, c'est le vrai coup de maître. C'est-à-dire que là, on va carrément mettre un cochon dans la sorcière et on va aller pré-shot bûche l'arme squelette. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette intelligence. Par contre, pas mérité là qu'on prenne pas de coup. Carrément pas mérité, hein. Il a un fuyé gobelin aussi. Ah, ça, c'est chiant ça. Ok, il a mis une bûche pas ouf. Et là, le mousquetaire qui a mis pas mal de dégâts, ça c'est pas mal. Ok, boule de feu panique, c'est parfait. On va pas les cochons. Là, on sait qu'il y avait une Tesla. Oh non. Ah, relou de ouf ça. Voilà, il met son cochon, je suppose. Ok, on commence à rattraper petit à petit d'ailleurs. Ok, je vais aller poser mon canon parce que je suppose qu'il y a bientôt. Non ? Ok, là on peut aller total pré-shot, hein. Ok, là, et là je suppose qu'il va m'envoyer la couscoussière là. Ok, déjà j'ai la boule de feu. J'essaie de recycler une bûche assez rapidement. Ok, la double canon, là il passera pas son cochon. Ok, on va carrément mettre une bûche ici. J'avais carrément oublié qu'il avait ça. Ok, la défense parfaite. Là, on sait qu'il a une test, donc on va aller, on va pas mettre de cochon, ça sert à rien. Quoi que c'est, regardez. Je vais mettre un cochon là, et je vais juste aller mettre une bûche ici, là, regardez, hop. Dommage. Et là, c'est sa boule de feu, et ça, c'est parfait. Ok, là, même boule de feu, j'ai pas m'emmerdé. Ok, il a fait de la merde. Là, on peut aller buff. Et merde. Ok, là, je suppose qu'il va carrément mettre sa boule de feu. Ouais. Et là, c'est à mon tour. Oh, les gars! Oh là là, les gars que je fais, je vous le dis, là, je vous régale. La game de foulée qu'on a fait là. Oh là 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 là. On apprend les fieux gobelins, c'est terrible pour moi. Niveau 13,
Les gobelins qui sont quadrichot, trichot par la tour, c'est terrible. Normalement, les gars, si je me concentre et je fais pas de la merde, dernière game. Ok, mais des squelettes, on met le petit esprit de glace. Ok, c'est sûrement du 2.6. Ah, dites-moi que c'est pas de l'Arkis, s'il vous plaît. Déjà, niveau 13 contre niveau 13. Bah, tout le temps, c'est de l'Arkis ou pas? Ah, c'est de l'Arkis. Oh là là, c'est terrible. Ok. Voilà, si c'est de l'Arkix. Ok, c'est pas du tout de l'Arkix. D'ailleurs, si c'est de l'Arkix, c'est vraiment un des pires matchups qui puisse exister. Non, s'il te plaît, meurs pas. Merci. Du chaud là. Absolument la catastrophe. Là, on va faire un double push. Hop. Ok, on va aller mettre le petit esprit. Ok, parfait. On se défend, on a l'esprit électrique, c'est pas grave. Parfait. Ben, on peut acquérir la tour du roi du coup. Est-ce qu'il met une Valkyrie au pont? Hein? Ok, c'est ça. J'ai qu'à monter le squelette. Ouais, c'est une boule de feu pour ça. Ok, je tape le move. Ok, c'est bon. Comme ça. Ok. Je pense que je vais essayer de l'outtaker là. Ok. Voilà. Ok, c'est parfait, canon. Ok, là je suis obligé de boost, sinon je prends un coup. Donc là, on peut faire mon move gun de glace. Et là, on aura une bonne value. C'est obligé. Ok, j'ai carrément raté. Je crois que j'ai tout raté. Je crois que ouais, c'est exactement ça, j'ai tout raté. Est-ce qu'on peut aller mettre un coup ou il va l'artier va être... Ok, il met une bûche en plus, c'est parfait. Ok, j'ai carrément panique là. Le boulot fait un peu panique, hein, mais c'est pas grave. En fait, là, ce qui vient, c'est qu'on a un avantage en un. On a rien en face, on a absolument pas d'avantage. Je ferme ma gueule. Non, je prends le coup. J'ai perdu. Il y a une boule de feu. La bûche boule de feu, c'est terminé. Non. Oh, le giga seum. À moins que... Non, il t'a... GG à lui. Bon, on va se faire deux petites games alors, sinon il en fallait bien une défaite. Ok, c'est parti. Prochaine game contre MT le RAM. Bon, on se fait encore deux games. Et dans tous les cas, si je perds cela, j'arrête maintenant. Si je la gagne, on se fait une dernière game. Par contre, il faut arrêter avec les cochons first play quand j'ai pas ma... mon canon en main de départ. C'est genre... Oh non, c'est une catastrophe comment il joue. Il a mis cochon gel first play genre. Ah ils ont eu un problème avec les fournaises, hein, je vous jure. Dis-moi je mets au moins un coup. Ok nickel, bon, on est déjà à égalité. Nickel, j'ai rattrapé mon retard de base à cause de ma tour du roi. Ok, petite mousquetaire. Tranquillou. Je vais juste aller bûcher, hein, écoutez, hop, parfait. Il est parfait. Ok, bon. Bah pour l'instant ça se passe très bien.
On a déjà quasiment pris sa tour. On va aller boule de feu, je pense. On va se permettre de mettre une boule de feu. Tous les cas, comme ça, moi, on est à portée de boule de feu. On est carrément à portée de boule de feu, donc ça, c'est cool. Ça, c'est carrément cool. On va mettre une petite mousquetaire ici, tranquillement. Hop. Ok. Problème étant, c'est qu'on n'a plus notre canon. Ah, nickel. Le canon qui était bien joué de ma part. Ok, parfait. Ah. Oula. Ouais, alors ça, c'était pas prévu dans le programme. Ok, notre canon vient de le recycler, ça c'est pas mal. Non. Ça va faire bobo, ça, Splash. Splash, il va faire bobo. Oh, surtout si je rate... Ok, c'est bon. Parfait. Là, on est bien. Ok, là, il a fait de la merde. Il a mis sa fournaise beaucoup trop haute. Bah, nickel. Ouais, on va les boules de feu. Et voilà. Tout simplement, les gars, si je peux me permettre de continuer de défendre pendant 1001 heures, parce que tout simplement, le mec spam comme un gros débile en fait. Et il a pas. Il spam comme un gros débile, il joue pas intelligemment. Donc tout simplement, on a win cette game assez facilement. J'étais assez concentré, je voulais pas trop parler, excusez-moi. Et du coup, on va passer dans cette dernière game. Où nous sommes à combien de trophées? Nous sommes à 6 trophées de passer les 6K. Donc on va tout de suite les faire et on se part dans la dernière game de la vidéo, qu'on perde ou qu'on gagne. C'est parti contre Adri, des Bataillas. Bataillitas, ouais ça. Ok, on va les boules de feu ça déjà. Tranquillement. Avec esprit de glace, je pense qu'on va les bûches. Hein. Oula, ouais, on va carrément les bûches. Hop. Il y en a la boule de feu ici, on va directement la mettre. Hop. Et voilà. Première défense clean. Je pensais qu'on avait plus de boule de feu, mais bien sûr qu'on a recyclé avec le 2.6. Du coup, on a déjà rattrapé nos dommages de base encore une fois. Les retards de base qu'on avait. À cause de notre tour du roi, enfin notre niveau de tour du roi. Ok, gomme de glace, un squelette, très bien. Je vais bûcher, hein. Hop. Ça ne prend pas les dégâts du game de glace en plus. Ça, ce sont pas phénoménaux non plus, hein, mais... Ok, Zappy. Ok, la défense va être compliquée. Ok, donc golem de glace. Voilà, on va mettre le canon. La moumou. Et voilà. Voilà comment on a fait un Zappy, les gars. Vous avez toutes les cartes en main maintenant. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça au final. Hein. C'est obligé, hein. C'était sûr qu'il allait faire ça. Parfait. Et du coup, là, il a plus un pour le cochon. Normalement. On a un sorcier, mais je suis pas sûr qu'il a assez d'Elex. Oula. Ça, c'était pas prévu dans le programme, ça. Ça, c'était carrément pas prévu dans le programme, ça. Ok, bon. Rien de dramatique. Déjà, on va aller sacrifier mon golem de glace, ici. Et là, on va se mettre une boule de feu, puis un esprit de glace. Ah, voilà! Vous voyez que c'est pas si compliqué à défendre. Non, on va se calmer. Nickel, on prend un coup de cochon, ça c'est parfait. Mettre la mousquetaire là. Et mettre celle-là. La bûche, on va la mettre là, je m'en fous. Aïe. Voilà, je vais prendre un coup, j'avais pas le choix. J'ai un peu mal mal mis. Ouais, non. Aïe.
Ça fait mal. Ça fait très très mal. Il a pas de sort par contre. Par contre, il a pas de sort. Après, c'est que là, si je cochon, ça sert à rien, non? Attendez. Putain, j'ai une idée, génie. Allez, là pour lui maintenant. Pas le zappi quand il tape, pas sur le cochon. Oh, je suis un génie, je crois. Si cochon m'a coup, ça peut être bien mal. Oh, il a pas mis coup en plus. Aïe. Ça, ça fait mal, ça. Attendez, regardez ce qu'on va faire. Je crois que j'ai une idée, génie. Allez, hop, hop. Ok, bon bah dommage. On aura perdu Zappi, c'est dur. En vrai, Zappi c'est un mauvais match-up, c'est très compliqué à défendre, surtout cette version. Je crois qu'il avait, il a remplacé la pompe par le golem de glace, mais normalement c'est compliqué de jouer contre ce genre de joueur. Bon, ça c'est le karma, c'est le karma. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à chercher vraiment de meilleurs pouces bleus, ça ferait trop plaisir. Et merci à tous qui le feront. C'était vrai coup, ciao ciao.